David Ebalula, donc un jeune artiste français né en 1978, développe une pratique autour des relations entre le son et comment une image peut être générée. D'une façon plus générale, sa pratique questionne aussi les processus de création artistique. Donc cette pièce s'intitule Follow Venice, donc littéralement qu'on pourrait traduire par Suivre Venise. Et cette œuvre reprend la forme et un dispositif qui est celui tout simplement du store vénitien, comme son titre l'évoque. Il s'agit donc d'une structure composée de lames en miroir. Cette œuvre fait à peu près 1m70, il correspond à un ratio, on va dire, lambda de tout un chacun. Donc il y a comme ça un jeu d'échelle qui est généré et qui renvoie donc la propre image du visiteur. Son image à la fois disparaît et apparaît, et tout un jeu est mis en place par l'artiste dans cette œuvre autour de la transparence plus précisément. Lorsque le visiteur s'approche de cette œuvre, il y a tout un effet de diffraction visuelle qui se génère, et le reflet, donc la propre image du visiteur s'en trouve totalement modifiée, hachurée, ce qui peut rappeler d'une certaine manière peut-être la décomposition du mouvement telle qu'elle a pu être mise en place notamment par les peintres cubistes. On pense notamment au nu descendant l'escalier. Il y a tout un jeu comme ça qui est très très intéressant, où on est perturbé à l'approche de cette œuvre. Et ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est la façon dont, à travers ce reflet à la fois dématérialisé, le visiteur peut s'inscrire dans un espace donné.